Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bienvenue avec nous. Je me présente, je suis Benjamin Carré. Je travaille à la mission locale d'insertion du Poitou. Et puis, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Maëva qui va se présenter également. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Maëva Jagorel, chargée relations entreprises au sein de la mission locale d'insertion du Poitou. Et merci d'être présent sur ce Facebook Live sur le thème du CV. Voilà, effectivement, donc on est en direct. On a baptisé par un jeu de mots cette émission, l'émission locale. Vous comprendrez du coup le jeu de mots et Maëva l'a dit, donc on va parler du CV. C'est un sujet classique, mais c'était bien pour démarrer. Et puis tout le monde, tous les jeunes à qui on s'adresse essentiellement, mais les moins jeunes aussi, se posent cette question. Mince, c'est un peu cette question de la, enfin cette peur de la feuille blanche. J'ai un CV à faire et quand c'est la première fois, en tout cas, ce n'est pas évident. Du coup, j'espère que voilà, les internautes nous rejoignent tranquillement. On avait donné rendez-vous, on avait communiqué sur cette émission. Voilà, j'espère que tout le monde finalement est à l'écoute et en tout cas un grand nombre et puis est bien installé chez lui face à son écran. N'hésitez pas, c'est le but d'un Facebook Live, de poser vos questions en direct. Hein, on attend. Avec joie vos commentaires et on se chargera d'y répondre au fur et à mesure. Donc on s'adaptera. Nous on a prévu évidemment un certain déroulé. Peut-être qu'on devra le tordre pour répondre à certaines questions. Donc voilà, on séquencera les choses, on fera des parenthèses, des retours en arrière. Il y a des internautes qui seront peut-être pas là tout au long de l'émission. Donc on fonctionnera de cette manière-là. Et puis n'hésitez pas à liker et partager par la même occasion. Donc cette vidéo restera disponible sur la page Facebook même après le direct. Alors vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment, nous y répondrons. Vous pouvez également contacter la mission locale via Twitter, LinkedIn et le compte Facebook. Voilà, je pense, en tout cas, on va commencer. Encore une fois, d'autres internautes vont nous rejoindre. En fait, on a décidé avec Maëva d'être le plus concret possible. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va finalement vous présenter un CV à l'écran. Vous allez le voir apparaître petit à petit. Et voilà. Je vous en dis pas plus pour le moment. Ce CV, il est plutôt classique. Et en fait, finalement, classique, oui, c'est des CV qu'on nous présente parfois à la mission locale quand certains jeunes, justement, débutent leur entrée sur le marché du travail. Mais finalement, vous l'avez à l'écran. Et ce CV, c'est plutôt… Voilà, je tique un petit peu parce que c'est plutôt le CV qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et donc, on va vous dire pourquoi, quelles sont les erreurs qui ont été faites sur ce CV. Et du coup, je redonne la parole à Maëva. C'est elle qui va asséner de critiques le CV qu'on a élaboré. Tout à fait, Benjamin. Donc, on va lire ce CV donc, de haut en bas et commencer à expliquer ce qui ne va pas. Donc, vous pouvez voir sur le premier en tête, premier bandeau, l'identité et le titre du CV. Donc, vous pouvez voir le nom, prénom, numéro de téléphone, l'adresse mail. Donc, ça, c'est très bien que ce soit noté. Il faut préciser du coup ses coordonnées sur le CV. Vous pouvez voir également que ce qui est écrit célibataire, donc ça, il ne faut surtout pas le mettre. Le recruteur n'a pas besoin d'avoir cette information et ce n'est pas nécessaire de l'écrire sur le CV. Ensuite, vous voyez donc le titre curriculum vitae qui est noté, donc il ne faut surtout pas mettre cela sur le CV. Il vaut mieux noter le nom du poste que vous souhaitez chercher. Donc, sur cet exemple, la personne recherche un poste dans le domaine de l'administratif et la personne aurait dû noter assistante administrative sur le CV. Et c'est le métier qu'elle vise. Donc, passons maintenant au prochain bloc.
Donc, la personne a choisi de commencer son CV par ses formations. Donc, sur un profil comme celui-là, avec un peu d'expérience, il n'est pas forcément nécessaire de le mettre en avant. Voilà, et le mettre en premier. Donc, aussi, regardez que la police n'est pas la même partout, le texte n'est pas aligné, et il y a également des erreurs, sont également des erreurs qu'il ne faut pas faire, car l'employeur risque de ne pas s'intéresser à votre CV. Puis enfin, le bloc compétences. Donc, on peut voir qu'il y a des compétences qui sont écrites, mais qui ne sont pas réellement, qui co ne correspondent pas réellement au poste dans le domaine de l'administratif. Donc, là, on attend que ce sont des compétences d'une assistante administrative, mais qu'il faut un peu plus détailler et il faut aller plus loin dans les tâches qui sont notées. Donc, on vous donnera aussi des exemples lors d'un bon CV par la suite. Et maintenant, donc, le bloc expérience, donc, qui est dommage que ce soit mis à la fin du CV, car normalement, il faut que ce soit mis plus en avant, plus valorisé et plus en haut du CV, normalement. Et on peut aussi constater qu'il y a des fautes d'orthographe. Donc, ça, c'est dommage. Et pour terminer, donc, du coup, le bloc autre. Ce qui est précisé, on a l'impression que c'est mis là alors qu'on ne savait pas où le mettre sur le CV et cela ne convient pas. Donc on verra aussi dans un autre CV, un bon exemple de CV, on vous expliquera ce qu'il faut le mettre dans cette catégorie-là. Voilà. Très bien, merci Maëva pour ces critiques. Du coup, j'espère que tout le monde a aperçu hein, la petite faute d'orthographe qu'on a laissée volontairement. C'est ce petit S hein, pluriel qui manque à l'adjectif professionnel à la suite du mot expérience. Avant de rester dans le concret et de passer finalement, on va vous proposer un CV, voilà, plutôt correct qu'on a, j'espère en tout cas largement amélioré. Là aussi, on va le mettre à l'écran, mais donc simplement un petit bonjour à Kevin et Déborah qui apparemment, voilà, nous ont rejoints. Bonjour Kevin et Déborah. N'hésitez pas donc voilà, à commenter et à nous poser des questions. Voilà, je reçois aussi un petit commentaire. Je le lis, hein, je le livre avant qu'on poursuive. Je n'ai plus l'âge d'être suivi par la MLI, mais du coup pour le CV, ça m'intéresse car j'ai beau le faire et refaire avec différentes personnes, il ne convient jamais. Bon, ok, très bien. Maëva, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette personne? Donc d'ailleurs, on n'a pas le prénom, mais c'est pas grave. Alors, même si la personne n'est plus suivie par la mission locale, on est toujours un service qui peut quand même aider tout demandeur d'emploi. Donc, cela arrive que via les réseaux sociaux, on peut poster des offres d'emploi sur notre site internet, sur notre compte Facebook, et des personnes nous alertent, se posent des questions, comment le faire? Et bien, on peut aider toute personne. Voilà, on peut aider le besoin, on les appelle par téléphone, on essaye d'échanger par téléphone, leur donner un conseil téléphonique, et puis par la suite, voilà, on peut avoir un échange par mail, on le refait avec eux en direct ou pas, suivant si le CV est adapté à nos logiciels que nous avons à la mission locale. Voilà. Oui, j'ajouterais, hein, selon votre lieu de résidence, sachez que de plus en plus, et notamment dans les zones rurales, il est possible en fait hein, d'être suivi, accompagné ponctuellement, et notamment pour la réalisation d'un CV par les collègues hein, qui sont présents sur nos antennes et permanences, et puis au siège rue des Feuillants où nous nous trouvons à Poitiers. Sachez que nous avons un espace d'information aussi avec des postes informatiques et des volontaires qui sont à disposition pour vous aider à détailler, à peaufiner votre CV. Et puis après, je dirais pour finir peut-être sur cette question-là,
Voilà, je me dis que peut-être cette personne qui nous a fait ce commentaire est perfectionniste et du coup c'est vrai que voilà, on n'est parfois jamais satisfait de son CV. En tout cas, il faut se dire qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Mais par contre, on y revient régulièrement puisqu'on l'actualise. Et puis c'est vrai que aussi par rapport au CV, on verra par rapport au bon CV qu'on va vous présenter, il y a un esthétisme, mais cet esthétisme, pardon, il y a beaucoup d'effets de mode. Donc voilà, un CV, ça vieillit et on va remettre une couche de peinture quelques mois après. Donc tout ça est bien normal. Le CV est quelque chose qu'il faut faire vivre. Voilà. Donc Kevin, je continue sur les commentaires. Maëva, et puis on va poursuivre après. Kevin, moi j'ai fait un CV, mais je pense qu'il ne convient pas car les patrons ne m'appellent pas. Ah, ça c'est voilà, un sacré commentaire, une sacrée question. Difficile d'y répondre, c'est-à-dire que finalement, est-ce que les non-réactions des employeurs, c'est simplement le fait du CV? C'est pas sûr, hein, il n'y a pas de CV parfait, il n'y a pas de mauvais CV non plus. On a montré un exemple avec des fautes d'orthographe, avec tout un tas de choses qui n'allaient pas. Et là, vous voyez déjà à l'écran la différence. Mais peut-être que malheureusement, c'est des critères beaucoup plus objectifs, hein, qui font que vous n'avez pas de réponse, Kevin, des employeurs. C'est vrai que peut-être, hein, quand on est débutant, c'est toujours plus difficile de trouver encore une fois des réactions de la part de l'employeur. Donc là, je vous invite, si vous êtes inscrit en mission locale ou pas, ben, si c'est pas, c'est de le faire et on vous donnera des conseils beaucoup plus pointus, avisés, savoir réellement quelles difficultés vous rencontrez de manière à vous faire avancer dans votre recherche d'emploi. Oui, Voilà, j'espère que oui, vas-y, Maëva. juste préciser aussi que sur l'avancée du déroulé, là, cette matinée, il va y avoir aussi les réponses à ces questions. Il faut peut-être aussi valoriser certaines qualités, peut-être d'autres points qui ne sont pas sur son CV, qu'il faudra plus mettre en avant. Peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas forcément des retours des employeurs. Donc, il va avoir ses réponses dans les quelques minutes à venir, en tout cas. Donc on passe au petit CV qu'on a fabriqué, hein, que vous avez aperçu. On va le remettre à l'écran. On avait rebasculé sur l'ancien, le mauvais, on va dire. Je le mets entre guillemets. Et donc effectivement, encore une fois, la différence était nette, hein, voilà, il va apparaître à l'écran. Tout de suite, hein, vous avez pu voir du coup de la couleur. Et donc voilà, on voit tout de suite que ce CV peut accrocher justement l'employeur. En tout cas, il a supposé finalement quelques heures de conception de fabrication. Et du coup, ça peut déjà faire un peu plus réagir l'employeur, même si on est sur quelque chose de très subjectif. Du coup, ben, on va commencer aussi par la partie haute de ce CV pour le commenter. Le point évidemment commun quand même entre les deux, hein, le mauvais et le correct, c'est que un CV règle, voilà, qu'il ne faut pas s'éviter, il doit tenir sur une seule et même page. Le haut du CV, ben, en fait, il est classique sur ce nouveau CV. On a sur le haut, effectivement, évidemment, le prénom et le nom de cette candidate qu'on a imaginée. On a une accroche, en fait, hein, sur des qualités personnelles qu'elle met en avant en lien avec le poste pour lequel elle souhaite candidater, la polyvalence, une capacité relationnelle et puis capacité d'adaptation. Voilà. Ce qui est ensuite très important, c'est son titre. On a vu tout à l'heure sur le CV qui n'était pas correct, ben un titre curriculum vitae, c'est pas ce qu'il faut mettre en titre. Ça, c'est plutôt une évidence. Voilà, Méline a mis un titre d'assistante administrative, qu'elle soit débutante ou qu'elle soit expérimentée, on va voir qu'elle a quelques expériences. Il faut afficher ce titre également d'emblée. Voilà, et je laisse Maëva présenter le petit bandeau vertical sur les éléments d'identité. Merci Benjamin pour ces premiers conseils. Donc, si vous voulez contacter
Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces conseils. Si vous irez plus loin dans les explications, n'hésitez pas à nous faire un retour. Donc maintenant, on va parler donc la partie coordonnée, donc le bandeau vertical. Donc, vous pouvez voir l'adresse, numéro de téléphone, donc le mail qui est très bien précisé, très bien mis. C'est ce qu'il faut faire justement. Et que la mention célibataire n'est plus précisée. Donc la jeune femme a également mentionné sa mobilité, donc permis B plus véhicule. Et c'est très intéressant, car ça montre que c'est un critère que le recruteur peut considérer et que au niveau des recrutements, parfois il y a besoin que ça soit mentionné. Et autant le valoriser sur le CV dès la première lecture du document. D'accord, très bien. Ben, je suis oui concentré sur un nouveau commentaire de Déborah qui voilà un commentaire un petit peu long. J'ai pas fini de le lire. Je regarde souvent vos annonces sur Facebook, mais parfois c'est pour les jeunes de 26 ans. J'en ai beaucoup plus. Ok. Bon, très bien. Ben, écoutez, Déborah, j'entends hein, que vous êtes, je m'en étais un petit peu douté, peut-être perfectionniste, mais vous dites effectivement, là aussi, les réponses des patrons sont toujours négatives. Écoutez, on pourra faire un point à la mission locale. N'hésitez pas à nous rappeler. Et puis, quand on est toujours en situation de télétravail, mais il y aura des rendez-vous physiques possibles et on pourra là aussi vous aider au mieux. Donc on poursuit par rapport donc à ce CV plutôt esthétique. Donc on poursuit sur le corps du CV, donc à savoir les sous-parties. Donc le CV commence avec les compétences et les expériences professionnelles. Donc c'est une très très bonne idée quand on a déjà de l'expérience dans le métier. C'est important que les deux parties se suivent car elles sont liées. La partie compétence sert à mettre en avant ce que l'on sait faire ou ce que l'on estime savoir faire dans ce métier. Chaque compétence commence par un verbe d'action, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour le contenu des sous-parties, vous pouvez vous référer à la fiche de poste sur laquelle vous souhaitez postuler et reprendre les éléments qui correspondent à vos propres compétences. Ici, on voit bien que les compétences font référence au titre du CV. Il n'y a pas de doute, on a affaire à une assistante administrative. Eh ben, pour ma part, je passe à la rubrique donc expérience professionnelle. On voit tout de suite là aussi que les choses sont bien agencées, ordonnées. Donc, on a encore un intitulé de poste, hein, le mot secrétaire qui apparaît, qui fait bien encore une fois écho avec cohérence donc au titre d'assistante administrative. On a une notion de temps, de chronologie, on le voit septembre à décembre 2019. Il est important de commencer par le plus récent et de finir par l'expérience professionnelle la plus ancienne. Et puis ensuite, c'est des points de détail importants. Citez évidemment le nom de votre enseigne commerciale pour laquelle vous avez travaillé, le nom de l'établissement, l'association ou autre, et puis une indication géographique, le lieu d'implantation de cette entreprise. Voilà, et on voit que donc toute cette rubrique expérience professionnelle est déclinée de la même manière. Très bien. Donc maintenant la troisième partie, donc la formation. Donc là aussi, il faut respecter donc la règle, à savoir, on part de la formation de la plus récente à la plus ancienne. Donc vous voyez justement sur le CV qu'il y a bien un ordre chronologique qui a été respecté. Et il faut ne pas négliger non plus la formation PSC1 ou encore une formation SST. Voilà, et du coup, hein, vous constatez finalement, et c'est parfois l'erreur hein, sur un CV, le premier CV qu'on a présenté, notamment pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, bah, c'était encore une fois, je m'excuse pour le mot, mais au moins c'est clair, un mauvais CV. Et notamment, bah, cette erreur, c'est qu'on commence souvent par son cursus de formation, c'est un réflexe, on passe tous par l'école, on court après, je dirais, les diplômes, mais c'est pas le plus important sur le marché du travail, en tout cas, c'est pas ce qu'il y a à mettre en avant en premier lieu. Donc, on voit bien que sur ce CV qu'on vous propose, finalement, ce bloc formation commenté par Maëva, bah, il
il est en bout de course, hein, en fin de page, parce que, encore une fois, c'est pas l'essentiel. On aborde les centres d'intérêt. Tout à fait. Donc, la dernière partie du CV, donc les loisirs et centres d'intérêt. Donc, même si on n'est pas inscrit dans un club ou une association, on reste généralement toujours actif. On a tous des occupations. Donc là, la personne, elle a voulu mettre en avant pratique de la marche. Et ça montre parfois aussi permet de ressortir des qualités transversales. Donc là, un employeur peut en déduire que si elle pratique de la marche, elle est dynamique, elle est active, c'est pas le nombre de fois dans la semaine, mais au moins elle est active. Donc ce sont parfois des qualités qui permettent de ressortir pour une offre d'emploi. Oui, moi j'ajouterais aussi hein, d'autres commentaires. Il n'y a pas que, je dirais, le sport hein, que l'on peut mettre en avant dans cette rubrique-là. Parfois, pour certains, en tout cas, vous êtes impliqué dans vos clubs, vous êtes coach auprès des débutants. Voilà, si vous faites du handball et que vous avez quelques années de pratique, bah, il est possible effectivement que vous entraîniez les plus petits. Il est simplement aussi possible et de manière peut-être qu'occasionnelle, vous entraîniez, pardon, vous participiez plutôt à l'organisation de compétitions, de tournois, voire vous donnez des coups de main de secrétariat. Ça pourrait être là le cas de Méline, justement. Donc, elle pourrait mettre en avant sur cette rubrique centre d'intérêt en disant « Je suis pratiquante, mais je donne aussi des coups de main sur des tâches de secrétariat dans le club » où je suis inscrit. Voilà, donc on a pas mal avancé sur ce CV. On va revenir finalement sur la photo parce que voilà, on en a discuté, on a répondu à une question tout à l'heure et puis on va revenir dessus. Peut-être que certains là aussi nous prennent en cours de route. Et puis avant tout, je réponds encore une fois à Kevin. Je crois qu'on a déjà eu un Kevin. Peut-être que c'est le même, peut-être que c'est un différent. Je suis suivi par la mission locale. Mais je vois que ça va bientôt prendre fin et toujours pas d'emploi, c'est frustrant. Bon, tout à fait, Kevin, je comprends. C'est voilà, c'est logique, c'est des choses qu'on entend très souvent à la mission locale. Il faut pas se décourager, il faut tenir bon, faut tenir le cap. Les conseillers mission locale et de la garantie jeune dont vous faites partie, ben, sont là pour ça. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est frustrant, mais voilà, vous allez y arriver. Il faut continuer à y croire. Voilà, vous arriverez à décrocher un emploi. Aurore aussi, j'aime beaucoup ce CV. Sur quoi il a été fait? Eh ben, on va y répondre très très vite. Donc, on vous fait patienter. Un petit commentaire sur la photo. Qu'est-ce que tu dirais, Maëva, à nouveau? Pour la photo, pour faire un point, c'est au choix de chacun, si vous souhaitez ou pas vous mettre une photo. Après, notre message est plutôt clair, au mieux vous vous sentiez libre. Une photo avec un sourire reste agréable et vendeur, mais elle n'est pas en rien obligatoire et décisive. Après, sur une offre d'emploi, si un recruteur précise photo, par contre, autant la proposer sur le CV. Voilà. Et donc pour répondre à la question d'Aurore, hein, ben on avait prévu hein, de vous aider là-dessus, de vous orienter. Il peut y avoir des spécialistes de Word et Word, ce logiciel de traitement de texte peut vous proposer des modèles de CV. Et puis après, pour ceux qui sont les moins à l'aise, il y a vraiment effectivement des outils clés en main que l'on va citer. Donc vous pouvez aller sur les sites internet suivants, Canva. Hein, par exemple, Canva, Canva. Vous avez aussi CV Designer, DoYouBuzz, Click and Job. Voilà ce qu'on peut vous recommander. Évidemment et bien sûr, faites attention. Voilà, il y a des sites commerciaux qui vont vous faire payer une prestation. Donc, je dirais stop, halt, ne dépensez pas, je dirais, quelques euros là-dessus. Il peut y avoir la mission locale, encore une fois, mais il y a aussi ces sites Internet en accès gratuit. Voilà.
Pour l'orthographe aussi, c'est, on en a aussi parlé hein, plutôt en début là de d'émission. On fait un petit retour dessus. On a eu un commentaire aussi de Carole qui est avec nous et qui disait, c'était son expression, les fautes d'orthographe, c'est mortel, en disant voilà, hein, c'est vrai que c'est parfois pour certains employeurs éliminatoire. Alors d'autant plus quand on est une assistante administrative, qu'on va rédiger des courriers. Et comme vous le savez, les correcteurs sont pas toujours très efficaces, notamment sur les accords, les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Donc faites très attention. Pour vous aider, donc on va vous recommander également deux sites internet. Vous avez Reverso et vous avez Le Bon Patron. Et donc ça, voilà, c'est la c'est les mêmes fonctionnalités hein, qu'un traducteur, je ne ferai pas de publicité, mais que vous allez utiliser pour passer, pourquoi pas, de l'anglais au français. Ben là, on passe, je dirais, d'un français avec des fautes. Et donc, ce Reverso ou autre va vous corriger vos éventuelles fautes d'orthographe. Voilà. Bah écoutez, finalement, j'espère que on n'aura pas été très long. Le but, c'est d'être surtout précis dans ces conseils qu'on vous a donnés. Donc, on va pas tarder à clôturer ce Facebook. Merci à tous ceux qui étaient présents avec nous. Ce live, évidemment, bah, il va être enregistré. Vous pourrez le revoir, vous pourrez le recommander à vos amis. Voilà, le partager. Hein, il faut qu'il circule. On n'a pas pu tout dire. On répondra à vos commentaires si vous en faites encore après. Nous, on restera en ligne, je dirais, mais en mode caché. Et puis, bah, Maëva va vous donner aussi d'autres conseils pour clôturer cette émission. Eh ben, on vous donne rendez-vous donc en mission locale sur nos sites internet et nos réseaux sociaux pour toujours plus de conseils et d'accompagnement dans vos démarches. Prochainement, nous vous proposerons un nouveau Facebook Live sur une autre thématique. Abonnez-vous à notre compte Facebook si ce n'est pas déjà fait pour ne pas passer à côté des infos que nous diffusons. D'ici là, continuez à liker, commenter et partager cette vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir. Et avant pour moi de vous dire au revoir, un numéro de téléphone 05 49 30 08 50 30 08 50. Nous sommes pour la plupart en situation de télétravail. Ce sera également le cas encore à partir du 11 et 12 mai. Mais voilà, vous pouvez faire ce numéro de téléphone de télétravail. On travaille hein, depuis 2 mois. Comme on le fait aujourd'hui, on est à la maison, mais on se tient toujours à votre disposition. Donc le standard marche, il n'y a pas de souci et vous serez orienté vers les conseillers de la mission locale. Merci à tous. Je vois pas forcément de nouveaux commentaires, donc je dirais qu'on peut se quitter. N'hésitez pas, c'est encore possible après ce live. Et donc on vous dit à très bientôt, à une prochaine fois, avec toujours autant de plaisir. Ah, il y a un nouveau commentaire? Dernière Oui, tout à fait. de Kevin si, qui souhaite savoir s'il y a des offres d'emploi. Donc oui, vous pouvez trouver toutes nos offres d'emploi sur notre site internet de la mission locale. Donc elles sont à jour régulièrement, que ce soit sur l'alternance, du CDD, du CDI, des jobs d'été, également sur notre page Facebook Mission locale. Voilà. Oui, et je rajouterais pour Kevin que, par exemple, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais on a reçu hier ou avant-hier, Maëva, une offre d'agent d'entretien et de maintenance pour un centre social d'animation. Donc voilà, elle va être mise justement en ligne là aujourd'hui, certainement. Donc c'est un exemple. Et donc n'hésitez pas là encore à consulter, comme le disait Maëva, notre site internet. Vous y trouvez toutes nos offres. Voilà, et ben écoutez, cette émission touche à sa fin. Merci aussi Maëva, ça a été un vrai plaisir. Hein, à la prochaine fois. Et puis ben écoutez, au revoir à tous et nous vous souhaitons donc une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.